Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4, le deuxième épisode. Alors, activé. Il doit bien y avoir une ouverture. Pas notre commande. Oh non. Allez. Agla. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Shaun. Je te le promets. Oh putain. Bon, bah ça me remet dans l'ambiance. Génial. Ça va être par là, je présume. Porte coulissante. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh putain, d'autres blocs. Pourquoi moi ça s'est ouvert et pas eux? Terminal de surveillance. Station cryogénique. Alors, commande désactivée, d'accord. Système de survie, état des occupants des capsules. Décédé, cause de asphyxie à la différence. D'accord. Ok, je viens de comprendre. Ils sont tous morts à cause du système de survie qui est défaillant. Je vais quand même essayer de tous les ouvrir. Hop. Catastrophe. Combinaison de l'abri. 9. Parce que là, je suis en combinaison. D'accord. Ok. Bon. Quand même, on va essayer d'ouvrir tout le monde. Pas possible, c'est un carnage le machin en fait. Ils sont tous chiés dessus. Il y avait un truc là. T'as des occupants. Madame Callahan, Madame Abel. Hop, t'as l'occupant inconnu, commande manuelle d'ouverture désactivée. Activée, d'accord. Et moi. D'accord. Bon bah on y va. Ça chie dans la colle, c'est génial. Hop. Porte coulissante. Et des rats de cafards là-bas. Inaccessible, d'accord. Clé à molette, tournevis, clé anglaise. D'accord. D'accord, transfert ça se passe comme... D'accord, non, je veux garder ma boîte... Hop, tape quitter. Marteau à panne ronde. Ok, je peux pas équiper mon inventaire du tout, j'ai zéro inventaire en fait actuellement, d'accord, pourquoi pas. Je ne peux absolument rien ouvrir pour le moment. J'ai bien vu que t'étais là, t'inquiète pas. Ok... Terminal de sécurité, il y a un Steam Pack à côté. Le protocole d'apparition, journaux de sécurité. D'accord. Steam Pack, prendre. Prendre, prendre. D'accord, on a plus besoin d'ouvrir, c'est génial. Regardez, en fait, je peux prendre directement sans avoir à ouvrir. Dès que je le fixe, c'est considéré comme... Vous voyez? Dès que je fixe quelque chose, c'est considéré comme un... Comme ouvert en fait, ça c'est génial. Je suis désolé, ça c'est absolument génial. Matraque. Objet équipé, d'accord. Cool. F pour voir les favoris disponibles. D'accord. Ok, je comprends. Porte coulissante. On s'est rouillé par là. Porte coulissante. Voilà un rat de cafard. Hop. Il m'a quand même attaqué. C'est quoi ce bordel? Bah t'as été un petit peu longtemps à mon avis dans le flou. Pour un coup, parfait.
Qu'est-ce qu'on a par là? Des lits, des cartons. Rien dans les armoires. Ça, c'est casse-couille par contre. Des chiottes rouillées, des éviers rouillés. Une porte, un grille-pain. Je vais pas prendre le grille-pain. Plaque chauffante, je peux prendre ça. Dans le frigo, il n'y a rien, forcément. Bouteille de bière, bière, bière. Col miracle, argent d'avant-guerre. Terminal de loisirs. Oh, c'est génial, il ferme le... la matraque. Note du superviseur. Éjecter l'holobande. Oh, mais attendez, il y a des holobandes. Qu'est-ce qu'ils appellent des holobandes? Faut que je retourne voir sur les autres. Du coup, on va sprinter, puisqu'on peut sprinter maintenant. Là, il y avait une holobande. Non, charger l'holobande. Non. Est-ce que dans les autres, il y avait une holobande? Non. Je sais que non. Je l'ai pas vu, l'option. Il me semble pas. Dites-le moi dans les commentaires, de toute façon, je les aurais pas vus, mais... Faudra que j'y revienne dans tous les cas, donc on verra bien. Ici, j'ai tout vu. On ressort la matraque. Ça, ça va être un espèce de générateur électrique. Qui a buté les rats de cafards. Là, il y a un squelette. Ok. Là, il y avait deux rats de cafards qui se sont activés au moment où j'ai appuyé sur le squelette. C'est très très pute jusque là. Bon. D'accord. Salaud. Ok. Ok. Porte coulissante. On boit un coup. On peut pas rester à pied pour continuer à boire. Ça c'est potentiellement problématique. Une épingle à cheveux, génial. Un crayon, encore mieux. Le bureau du superviseur. Avec un steampack, deux steampacks. Trois steampacks. Un pistolet 10 mm, des cartouches de 10 mm. Des lunettes. Le terminal du superviseur. Cryolator. J'ai longtemps rêvé de mettre au point un système de congélation pardon, cryogénique à la demande en format portatif. La tentative la plus récente. Normalement, nous ne manquons ni de produits chimiques. D'accord, ok, si tu le dis. D'accord. Le tunnel d'évacuation du personnel est désormais ouvert. Appelez-vous à vos équipes de procéder en ordre et de respecter les protocoles de fermeture avant de quitter l'abri 111 et de le refermer. Conservez tout dossier personnel ainsi que. D'accord. Donc ça m'ouvre le portail là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? À mon avis, ils sont dans un état pas terrible. Il y a du radaway dans le miroir, j'aurais peut-être préféré le voir avant. Porte coulissante, je vérifie, parce que comme il y a des salles de bain, peut-être qu'il y a d'autres trucs dedans. Cartouche de 10 mm, génial. Paquet de cigarettes préservées, allez comprendre. Comme je n'ai pas encore du tout accès à... Coffre de cryolateur. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Tout à fait. Et la clé du cryolateur, elle est où? Journal du superviseur. Peut-être qu'il va pouvoir nous le dire. Mutinerie, manque de provisions, préparation, dysfonctionnement des systèmes. Donc non, rien du tout là-dedans. C'est tout ce qu'il reste? Est-ce qu'il y a des survivants? Même en spammant le truc, je peux pas y trouver quelque chose. Ah, peut-être que là-dedans, j'ai raté quelque chose par contre. Genre sous le lit ou un truc comme ça. Non, du tout.
Si je sneak à côté du personnage. Non. Il y en a un qui est en train de baliser, je crois, là. Bon, apparemment, c'est pas pour tout de suite que je trouverai. Cartouche 10 mm, génial. Que je trouverai de quoi ouvrir ce truc. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Je ne peux pas crocheter ça. Tu ne peux pas le crocheter. Dommage. Je vérifie qu'il n'y a rien. 1, 2, d'accord. Ok, c'est nul. C'est... Quand on vise pas, la précision de l'arme est amoindrie. C'est bon à savoir, j'ai tiré comme une merde. C'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique que le que les autres au final. Joli. Ok. Il m'a sauté dessus au moment où il est mort, j'aimerais bien savoir où est son cadavre. Peut-être celui-là. Ok. On recharge. Pourquoi pas. Hop. Ouvrir. Et c'est vrai que ça fait un petit peu tunnel de maintenance entre guillemets. Pourquoi je pouvais pas l'attaquer celui-là? D'accord. Ok, je capte. Je capte. Tout le monde est mort. Oui, tout le monde est mort apparemment. C'est bien de t'en rendre compte. Il n'y a plus que moi. D'accord, donc là c'est la porte où j'étais tout à l'heure. Exact. Bon. Étrange qu'elle soit ouverte d'elle-même. Ah, mes yeux s'habituent à l'ombre. Ce qui fait que je vois des cartouches. Intéressant. Ok, là j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Pip-Boy. Pipidi. D'accord. Hop. Il est vraiment cool ce Pip-Boy. Complètement dégueulasse mais vraiment cool. Initiating, pourquoi pas. Alors, sélectionner un onglet spécial. Inventaire, Ok. Pistolet 10 mm, d'accord, ok. Ah, un instant. Mince. Hop.
porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Retour à la surface, et merci d'avoir choisi Voltec. Oh. Oh. Oh.
Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Par ma barbe! Oh! C'est vraiment vous! Ah mon Dieu! C'est pas possible.
Dites-moi que c'est un cauchemar. Un cauchemar? Mais de quoi parlez-vous? Ma parole, vous semblez bouleversée. Peut-être votre épouse pourrait-elle vous réconforter en vous serrant dans ses bras, comme vous autres humains semblez l'apprécier. D'ailleurs, où est votre moitié? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. Non. Non, non, c'est impossible. Je n'ai pas pu rester dans cette capsule aussi longtemps. Pas 200 ans. Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Codsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Hola, hola, concentre-toi, Codsworth. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Merci, Codsworth. De rien. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. Je ne sais pas, Codsworth. Suivez-moi. Je t'aide pas cette fois. Codsworth. Ne vous en faites pas. Mes protocoles de recherche sont en alerte maximale. Il n'y a rien d'autre. Ça y est. Quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Yeah!
madame. Hey, Cotsworth. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Sean est là, quelque part, Cotsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Il reste encore des gens en vie à Concorde ? Oui. Même s'ils sont un peu rudes. Vous vous souvenez d'un... Oh merde, putain, je suis désolé, chers amis, j'avais complètement zappé de mettre le micro, ça casse-couille ça. Ah, nom de Dieu. Je suis désolé. Bon bah du coup, vous avez pu profiter de tout ça. Je suis sincèrement désolé. Merde. Si j'étais tranquille aussi quand je tourne. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Hop, ce qui compte c'est que je m'en suis pas rendu compte. Dit comme ça, c'est un peu stupide. Ok, bon. On va visiter les autres maisons quand même. C'est déjà fait celle-là, non? Oula, non, sinon je me serais rappelé de ça. Alors. C'est quoi? Ouhou, des munitions. Bien planquées d'ailleurs. Là-dedans, y'a rien, non? Ok. Y'a rien ici non plus. Bon. Bon, je me suis rendu compte de ma connerie un peu trop tard, mais écoutez. Au moins, je m'en suis rendu compte. Plein de choses à faire par là-bas. Plein de choses. D'accord, relais routier, Red Rocket. Ah ah! Je sais ce qu'on va y trouver, chers amis. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est complètement le système de... d'armement. J'aimerais pouvoir retrouver le système d'armement, entre guillemets, type... Alors, Q pour les favoris. D'accord, ok, je viens de comprendre. Ok. Je peux zoomer dessus. Je peux le prendre comme ça avec le clic droit. Ok. Pourquoi pas. Ok, donc si je veux par exemple faire Q. Et 2. Voilà, l'appareil en 2. Ok, c'est cool. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Si fait que là en 1, j'ai mon flingue. Et en 2, j'ai ma matraque. Ok, ça marche. Ça j'ai compris, d'accord, il y avait un atelier. Non, c'est pas un atelier ça. Si? Non? Si? Ok. J'y suis déjà allé là, je crois. Ouais, sûrement. Parce que c'est celui où il y a la truc devant, d'accord, ok. Bon bah allons-y. Progressons. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Une espèce de d'assemblage de manomètres. What? Ok, ça met dans l'ambiance. Bon, on va s'équiper comme il faut. Tenue de nomade. Ok. Voyons voir la tronche que ça nous fait. Si je rengaine mon arme, normalement je pourrais faire, le tour. J'ai pas mes lunettes, je vais essayer de mettre les lunettes quand même. Bon, ça rend pas top, mais bon. On va faire avec. Non, bon, on avance. Ok, belle voiture. Je voudrais la même quand je serai grand.
Ah, le voilà, le meilleur des meilleurs des meilleurs. F5. Salut le chien. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu as perdu ton maître? Tu m'as l'air sympa. Oh. Oh, je suis mignon. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Ouais. Et puis je suis heureux pour commencer à lui donner des ordres. Ouais, chez le Steam Pack. Échanger. Hop. Il me l'a ramené. Ça y est. Le chien a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, d'accord, ok. T'es sympa, mon pote. Viens-tu. Ah. Il a plein de choses à me montrer, ce chien. Udada, patte arrière. Udada, tête. Oh, s'il y a moyen de le reconstruire en entier, ça peut être cool. Des rats de des rats taupes. Bam! Allez le chien! Oh, je l'ai raté! Il se rend terre en plus, d'accord. Intéressant ces nouvelles mécaniques. Ouh! Ce qui t'a mis mon chien! Ce qui t'a mis mon chien! Bon. J'ai vu plein de trucs que j'ai chopé. Dont un truc militaire, j'ai pas compris ce que c'était. C'est marrant. J'ai cru voir un truc en rapport avec quelque chose de militaire. Je me suis peut-être trompé, hein. Mon chien. Tu es où? Hey. Examine le bouton. On va voir ce que t'es capable de faire. D'accord, fermeture de la porte. Pourquoi pas? Établi d'armes. Oh. Eh ben on peut commencer déjà, chers amis, c'est cool ça. Ça change pas des masses, mais... Ouh, il y a quand même plein de trucs, hein. Dégâts réduits, poids allégé. Hop, confectionné. Parfait. Sabre, retour. Canon court. Je peux pas changer le canon. Poignée standard. Je peux pas changer la poignée. Il me manque des choses. D'accord, il m'affiche à droite ce que je peux faire. Ok, intéressant. Arme de fortune, par exemple, si je veux faire ça. Je peux rien changer non plus. D'accord, intéressant, intéressant, intéressant. J'aime ce genre de choses. C'est la toute, là, c'est la grande nouveauté du truc. Du coup, forcément, j'aime. Par ici. Viens par là. Chien. Oh. Attendez là. Mais non. Suivant. Allez. Voilà. Est-ce que je peux sortir du mode Voilà, d'accord. Eh mais j'y pense. Non, ça doit pas être ici. Pas exactement ici. Je présume. Établi d'armes, je peux pas, j'ai pas des trucs à récupérer là-dedans. Tais-toi, toi, la radio. Atelier, d'accord. Structure. Alors,
Falloir que je vois comment on se déplace dans ces menus. Ça va être très 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 moisi. On avait déjà entendu parler. Alors. Ok, d'accord, je viens de comprendre. D'accord. Ok, bah il y aura du boulot, hein. Je rappuie sur le bouton quand même. Clé à molette. Clé mixte. Coffre à outils, ça pourrait être intéressant. Hop. Donc maintenant, est-ce que j'ai, maintenant que j'ai tout ça, est-ce que je peux par exemple améliorer? Hop. Quelque chose d'autre? Non, rien du tout. Non. Pas grave. Alors au niveau des touches, c'est très particulier, autant vous le dire. Hein. Argent d'avant-guerre, je prends. Je vais gagner un niveau. Ah oui, c'est vrai, exact, on a gagné un niveau. Stat. Pas là-dedans, spécial aptitude. Niveau, T, plus 1, d'accord. Alors. Je peux rajouter mon point. Non. Non. Le point qui me manque, par exemple, je pourrais le rajouter. Ok. Fin de capsule. Marchandage, marchandage, marchandage. Non. Non, non, non. Ok. Vous jouez de vos charmes et de votre gâchette. D'accord, on a toutes les choses en fait dès le début auxquelles on peut mettre des points. Ok, donc on a charisme, on avait mis ici beaucoup en intelligence. Je pense qu'on va mettre, ce qu'on peut faire c'est mettre dans crochetage directement et dans... Avantage de capsule, attendez. Plus de munitions. Plus d'explosions de cadavres. Il y a du boulot hein, là-dedans. Faut pas que je puisse récupérer des matériaux comme des vis, de l'aluminium et du cuivre en démantelant des objets. Voilà, ça c'est parfait. Ok. Ça c'est vraiment génial. Par contre, du coup, démantelé, je serais curieux de savoir comment on fait ça. Trouver des choses? Non, il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que tu me chies? Cachette de capsule, pourquoi pas? Radaway, boucher de cuir. Terminal de Red Rocket. Ah, il y a un terminal! Bon, il n'y a pas grand-chose. Du coup, je serais curieux d'aller... Cartouche de cigarette. Je serais curieux de retourner voir directement à l'atelier. Ah oui, il y a ça aussi. Qui était complètement vide. Ok, c'est pas grave. Voilà. Si je veux, par exemple, recycler... ça. Est-ce que je peux modifier ça, non? Non, d'accord. Et recycler une matraque. Ok. Ok, je ne peux pas. Par contre, je vais modifier ce pistolet. Enfin, le renommer, plutôt. Et on va l'appeler le premier. First Gunner. On va l'appeler First Gunner. Voilà. Non, c'est celui-là qu'il faut qu'on appelle First Gunner. Hop. Ah oui, mince, je suis con, j'ai pas vu que ça s'affichait. First Gunner. Voilà. Toi, tu t'appelles pas. Hop, tu t'appelles 10
MM tirer pistolet. Voilà. D'ailleurs, on va même te recycler, mon pote. Hop. Ce qui fait que maintenant, est-ce que je peux modifier celui-ci? Poignée confort, chargeur standard, viseur standard, sans bouche. Canon court. Canon long, il me faut deux vis, donc j'ai pas ce qu'il faut. Si on veut modifier le canon, on va attendre un petit peu. Hop. C'est... Alors c'est encore tout nouveau, chers amis, je pense que ça se sent, hein. Est-ce qu'il y a d'autres objets que je peux recycler au passage? Par exemple, si je vais dans bric-à-brac, est-ce que je peux faire clic droit, recycler ou un truc comme ça? Voir les composants. D'accord, ok. Je peux voir en fait ce que j'ai. D'accord, ok, je comprends. En fait, tout ça, c'est une. Vous voyez? C'est juste une réserve de composants. D'accord. Je comprends. Je comprends plus ou moins comment ça se passe. Et comment ça fonctionne? Ok. Bon. Maintenant qu'on est allé là, il faut qu'on se dirige vers carte, vers là-bas. Et ben on va suivre la route, voir comment les choses ont changé. Encore une fois, je suis désolé pour les problèmes que j'ai eu avec ma voix. Bon, parce que j'ai joué au con. Ok. Ok. What? Ah d'accord, il a explosé. Ok. Une Brahmine. Brahmine, oui c'est ça, Brahmine. Je me suis souvent planté au niveau des noms, hein. Je suis désolé. Je peux pas ouvrir ça. Pourquoi pas? Et donc on arrive dans une ville, effectivement, qui ont l'air beaucoup plus réaliste que celle auxquelles j'ai l'habitude. Cachette de capsule, porte de réfrigérateur, Nuka-Cola Quantum. Hop, j'ai pas pris l'autre truc, c'est pas grave. Porte qui mène vers dehors, ok. Et un étage. Oh, génial. Épingle à cheveux, d'accord. Boîte de drogue, un peu moins bien par contre là. Et un Nuka-Cola. C'est génial. Il y a une espèce de... Enfin, t'es à la fois aidé et pas aidé, c'est... Je veux dire, faut que tu sois attentif et à la fois pas attentif. Enfin, le jeu te force à ne pas l'être en fait. Ah par contre ça c'est nul, si c'est pas une... Mais s'il y a que des maisons, enfin, s'il y a des maisons comme ça, individuelles, qui ne sont pas à même d'être ouvertes. Doucement, mon chien. Doucement. Tout doucement. Hop. Bon, bah là, c'est beaucoup moins bien. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'ouverture dans le... Il y a des gens là-bas. Non, non. Il y a une Harley ici. D'accord. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode je pense, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, désolé je sais que je suis un peu contemplatif, c'est le début, mais je kiffe, hein. Je prends mon pied.